Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a de cela quelques jours où en Libye, et un pays africain où les migrants se voient de plus en plus vendus aux enchères, et surtout des personnes réduites à l'esclavage. Donc il est important pour nous de lancer un appel aux dirigeants africains, à l'Union africaine, de constituer une commission pouvant se rendre en Libye d'urgence afin d'enquêter pour que nous puissions mettre fin à ces atrocités à l'immédiat, parce que ce sont les jeunes Africains qui sont de plus en plus affectés dans ces atrocités. Nous espérons que les déclarations qui sont jusque-là faites par les autorités africaines, notamment les présidents de la Commission, le président de l'Union africaine, son Excellence Monsieur le Président Alpha Condé, et les organisations internationales ne se limiteront pas seulement au niveau de déclarations ou de dénonciations ou de condamnations, mais plutôt vont aller au-delà de tout ça pour mener des actes, des actions concrètes afin de stopper tout ce qui se passe en Libye en ce moment. Donc nous espérons que cette commission pourra être en mesure de mener les enquêtes qu'il faut dans la mesure, je pense, d'urgence et plus rapidement possible afin de permettre à ces jeunes Africains d'avoir leurs droits respectés, les droits humains, parce que nous espérons, nous savons que malgré tout ce qui se passe en Afrique, je pense que ces jeunes ont droit, surtout en majorité les jeunes Africains, ont droit d'être traités comme des humains. En ce 21e siècle, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses qui se passent sur la terre africaine. C'est inacceptable, c'est inhumain. Nous voyons tout ce qui se passe, les vidéos que nous sommes en train de recevoir, et les messages, le communiqué, les déclarations. Nous ne pouvons pas tout simplement nous limiter au niveau des déclarations. Nous devons agir, agir avec détermination, parce que nous avons besoin des solutions urgentes. J'ai suivi religieusement ce que le président de l'Union africaine venait de dire ce matin, mais je pense que nous devons aller au-delà des consultations d'urgence, de poser les actes qu'il faut dans les heures qui suivent. Parce que s'il n'y a pas de solution, je pense que nous allons passer à d'autres stratégies ou actions pour permettre à ce que notre voix soit vraiment attendue par la communauté internationale, par l'Union africaine et par les autorités libyennes. Cela traduit aussi les difficultés que traversent les jeunes Africains sur le continent. Le problème du chômage des jeunes, c'est inacceptable. Nous devons toucher la cause de tout ce problème. Pourquoi les jeunes Africains sont en train de traverser ces moments inacceptables pendant ce 21e siècle, aujourd'hui? Donc je pense qu'il est temps que les dirigeants africains, nous puissions plutôt passer des paroles, des discours, que l'Union africaine puisse poser des actes concrets pour investir dans la jeunesse. Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment d'assurer la mise en œuvre du Fonds africain pour le développement de la jeunesse. C'est le moment de créer des emplois. C'est le moment de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes sur le continent. Et nous appelons également, nous demandons à ce que les sommets de l'Afrique-Europe, que l'Afrique se prépare à accueillir bientôt à Abidjan, que les dirigeants africains et européens puissent se parler franchement sur les questions migratoires, et qu'à l'issue de ces sommets, qui est quand même l'engagement, qui est quand même des actions à mener d'urgence pour résoudre ces problèmes. Donc je pense que nous ne pouvons pas tout simplement nous limiter à des déclarations, à des communiqués partout en Afrique, tout comme la communauté internationale, mais je pense qu'il est temps aussi de respecter les droits universels, les droits humains, et aussi permettre aux Africains de ne plus vivre ça sur le continent africain. J'appelle toute la jeunesse africaine de faire bloc avec toutes les stratégies que nous pouvons mettre en place afin de contrer ce phénomène inacceptable que notre génération traverse en ce moment en Libye. C'est inacceptable pour nous. Et je partage
la frustration de toute la jeunesse africaine là dehors. Je partage, je plaire avec tous qui sont en ce moment en train de suivre de près ou de loin ce qui se passe en Libye. Et je suis de cœur avec tous ces jeunes Africains se trouvant aujourd'hui en difficulté dans ces pays africains. Et nous attendons à ce que l'Union africaine, dans les heures qui arrivent, puisse mettre en place une commission. Et nous sommes prêts à rejoindre cette commission afin de poursuivre les actions que l'Union africaine doit mener dans les heures qui arrivent. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement question de réagir en désordre. Il faut qu'il y ait une commission, qu'il y ait une mission spécifique. Et c'est à travers cette mission que nous devons mettre en place des stratégies et des actions à mener pour mettre fin à ces atrocités, à ces phénomènes qui se passent en Libye en ce moment, où les personnes sont réduites en esclavage. Que le chef d'État s'implique, que le président de l'Union africaine s'implique, que le président de la Commission de l'Union africaine également s'implique. Quand il y a un problème en France, quand il y a un problème à New York, à Washington, il y a même des chefs d'État africains qui se déplacent pour aller combattre avec les Européens et les Américains. C'est inacceptable que ça se passe en Afrique et que tout le monde est calme et que tous les chefs d'État ne disent rien. Mais moi, je reviens sur la question de l'investissement dans la jeunesse africaine. Plus de 60% des chômeurs africains sont de jeunes. Mais je ne vois rien de concret. Je ne vois pas vraiment ce qu'il faut comme engagement de la part de nos dirigeants. Nous louons la volonté de la création de ces fonds africains pour le développement de la jeunesse. Mais nous lançons aussi un appel à la Commission de l'Union africaine d'accélérer l'opérationnalisation de ces fonds rapidement et que les jeunes Africains puissent avoir l'accès à ces fonds africains pour le développement de la jeunesse. La pauvreté, qu'est-ce qui pousse les jeunes Africains à quitter les continents, à abandonner nos États, à accepter n'importe quoi, à accepter même ce qui se passe en ce moment en Libye? Non, pas du tout. Nous disons non. Parce que nous ne pouvons pas vivre ce que nos arrière-parents ont vécu dans ce continent, devant nos propres dirigeants, devant nos propres institutions. C'est inacceptable. Et nous appelons à tous nos frères africains de la diaspora, comme tous ceux qui se trouvent sur le continent, d'une manière ou d'une autre, de contribuer à ces fonds africains de la jeunesse. Ces fonds peuvent déjà nous permettre à aider nos frères qui se retrouvent en ce moment en Libye, peuvent déjà nous aider à mettre des stratégies et à mettre en place des actions concrètes pouvant récupérer tous ces jeunes Africains qui se retrouvent en ce moment en Libye, les rapatrier les uns et les autres, et demander à tous les chefs d'État aussi d'appuyer cette stratégie à faire rapatrier tous les jeunes Africains qui sont en Libye dans leurs pays respectifs, et aussi les appuyer avec quand même des projets qu'ils peuvent avoir sur le plan entrepreneurial. C'est ce que nous devons faire, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Quand nous voulons faire entrer tous ces jeunes gens, nous devons aussi penser à ce qu'ils doivent faire quand ils vont rentrer dans nos États respectifs. Je lance un appel aux jeunes footballeurs africains qui sont dans la diaspora, tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, venez contribuer. C'est les actions concrètes que nous pouvons mener. Venez contribuer à ces fonds africains pour la jeunesse. Et ces fonds, nous devons l'utiliser pour sauver la jeunesse africaine en Libye. C'est ça les actions que nous pouvons mener. Je vois les autres me demander d'aller siéger ou d'aller rester derrière les ambassades libyennes. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Même vide, sans stratégie, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir des stratégies en main, d'avoir des actions concrètes en main pour dire que nous allons en Libye rapatrier tous ces jeunes Africains. Il y a les moyens pour leur transport, on voit leur identité, ils sont de tel pays. Nous appelons tous les chefs d'État et leur informer que nous avons tel nombre de vos compatriotes qui sont ici en Libye. Et nous leur demandons d'être prêts à recevoir tous ces jeunes Africains dans nos États respectifs. Et qu'il y ait une stratégie entrepreneuriale pour tous ces jeunes qui vont rentrer dans nos États.